Livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du soleil du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui leur avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »